Bonjour à tous amis cycles de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super. Petite vidéo imprévue les gars, et oui ça arrive beaucoup en ce moment en tout cas là. C'est une info hyper importante. On vient d'avoir sur les réseaux sociaux l'équipe de Brawl Stars Monde qui nous a tout simplement balancé l'info. Demain, 17h heure française, il y aura le Brawl Talk, donc il est en avant-première sur la chaîne officielle Brawl Stars. Vous pouvez déjà les mettre un like, un commentaire si vous êtes chaud bouillant. Bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, même si je le présenterai en français sur ma chaîne également. Mais en tout cas on a quelques infos, voilà, je vous fais pas juste la vidéo pour vous annoncer un nouveau Brawl Talk, mais clairement les gars ils vous ont déjà mis, alors je vous mets quand même la photo de, du coup de l'avant-première Brawl Star Brawl Talk, jusque là tout va bien les gars, l'info dingue, c'est le retour des boîtes officielles, on en avait déjà parlé il y a peu de temps, il y avait un podcast où ils annonçaient que les boîtes allaient revenir, on connaissait pas vraiment la forme et tout. Franchement, les gars, c'est officiel, on aura des boîtes dans les prochains jours, du coup, hein. Si le Brawl Talk a lieu demain, j'imagine que, je sais pas, milieu de semaine prochaine, on a aucune date, hein, mais on aura un possible retour des boîtes, ça fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait pas gagner des skins, les gars, dans ces boîtes? Est-ce qu'on pourrait pas gagner des, je sais pas, des points de pouvoir? Un tas de récompenses, apparemment, il y aura des boîtes gratos, c'est ce qu'ils avaient laissé entendre dans le podcast, de façon régulière, donc est-ce qu'une boîte par jour ou pas? J'en dis pas plus, je sais pas, ils avancent aussi également un nouveau brawler toxique, donc ça peut être plein de choses. Alors je vais quand même vous mettre la photo qu'ils ont mis sur les réseaux, les gars. Cette petite photo un peu sombre, voilà, on aperçoit l'espèce de menthe religieuse façon Wally, là en bas inversé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a aussi des yeux qui brillent au milieu, les gars. À vous de la zoomer, la photo elle est disponible sur Twitter, hein, c'est les comptes officiels dont on parle. Donc brawler toxique, ça peut laisser plein de choses. J'ai pas tellement d'idées, j'avoue que là les gars, j'espère juste que le brawler va envoyer du lourd, qu'on puisse rusher sa maîtrise le plus vite possible. Et le dernier truc c'est les skins enchantés. Ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, les gars? Ça, j'avoue que skin enchanté, à quoi vous attendez? Est-ce que vous avez des idées? Moi, ce que je retiens le plus de cette annonce de Brawl Talk, c'est clairement le retour des boîtes, les gars. Ça, c'est un truc. Je trouve que les boîtes, c'est une grosse erreur de les avoir retirées. C'était clairement l'ADN du jeu, même si c'est vrai que ça s'essoufflait un petit peu. On était quasiment tous full max, donc je dis pas que ça avait un grand intérêt pour la plupart, hein. Mais quand même, ça restait l'ADN du jeu. Ils ont bien raison de revenir en arrière. Et ça fait excessivement plaisir. Donc demain, 17h, le samedi 24 juin, 17h heure française, on se retrouvera sur ma chaîne et bien évidemment sur la chaîne officielle de Brawl Stars. On va pas se quitter comme ça, les gars. Je suis pas du style à faire des vidéos de 2 minutes 30. Pour ce qui est de la maîtrise de mon petit Nani, on est à plus de 20k, les gars. On est bien. C'est bientôt fini. Franchement, ça fait plaisir. La question que je vais vous poser, parce que là, c'est déjà ma 10e maîtrise, est-ce qu'on s'en ferait pas une petite 11e dans la foulée? Est-ce que vous avez un brawler coup de cœur? J'avoue que j'ai du Gray, j'ai du Léon, et après sinon j'ai pas tellement de desiderata, les gars. Est-ce qu'il y a un brawler qui vous paraît OP en maîtrise, style qui se monte bien en solo, qui se monte bien en prime, qui se monte bien dans les modes un peu qui sont relativement OP en ce moment? Parce que le prime, les gars, à ma grande surprise, ça reste relativement OP en ce moment. Et du coup, tu sais quoi, on va se faire une game avec Gray, une game avec Léon, et tout simplement les gars, la game où on est le mieux classé, c'est le brawler qu'on choisira pour la prochaine maîtrise. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va, les gars? Alors, bien évidemment, interdiction de rester caché. Il faut aller faire une belle game. En tout cas, je suis comme un dingue sur le retour des boîtes. Franchement, je suis sérieux, purée. J'espère que... Est-ce qu'on pourrait pas en acheter avec des blings? Est-ce qu'il y aurait pas un intérêt? Est-ce que... Je sais pas, les gars. Est-ce que ça va être un truc de fou ou pas? Attends. La Janet, là, le problème, c'est qu'elle prendre la caisse. C'est possible. Ouais. Ouais, ok. On a pris la caisse, on s'est fait un petit peu toucher. En tout cas, moi, dès que j'ai un ulti, ça peut être intéressant, les copains, je vous le dis. On va essayer d'aller se faire un kill. Il y a un Léon, il y a un cousin à moi sur le mid, là. Ok, j'ai un ulti par là. Est-ce que vous voulez qu'on aille... On va surveiller un petit peu, les gars, on surveille un petit peu, il n'y a pas vraiment d'adversaire prenable, le Léon 4 caisses au mid, je peux pas aller le taquiner. La Janet à droite, vous pensez qu'elle y a encore la Janet à droite, les gars? On va la chercher, on va essayer. Ouais. Ok, ça c'est mort, il y a un petit Colt en bas. Oh là là, les gars, le Colt, il est déter. Ok. Ok, lui va mourir, on est top 4. Ok, là on l'a bien touché, on est aux 3 quarts de l'ult. Alors, il a une portée intéressante le Colt, hein. On va quand même le respecter un petit peu.
On va le respecter un petit peu. Lui, il avait l'air d'avoir mis un ulti totalement éclaté. Je pense que le Colt peut mourir. Ouh là là, les gars, faut pas que je meure avant. Oh, je sais pas pourquoi il m'a pas laser. Je sais pas pourquoi il m'a pas laser, les gars. On a vraiment eu de la chance. Ok, j'ai un ulti. Est-ce qu'on irait pas fumer le Léon à droite, les gars? On le tente, vas-y. Alors, il est mort. Est-ce que je peux pas récupérer les caisses, là? Ok, alors ça va quand même être dur de faire mieux avec le Grey, là. On est en train de faire une game de fou. On est en train de faire une game de dingue, tac. Ouais, il joue pas mal. Il joue pas mal. Ah, oh, 47 PV, mais comment c'est possible de perdre des games comme ça? Bon, il a mieux joué que moi, les gars, c'est tout simplement sur les gadgets. Il les a tous gardés pour le fight final. GG, GG mon petit. Donc il faut faire mieux que top 2, c'est-à-dire que si on fait un top 1, la prochaine maîtrise sera celle de Grey. Si on fait un moins bon classement, ce sera le Léon. J'espère que vous avez suivi, les gars, cette vidéo imprévue comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu au niveau de votre hype. Est-ce que vous en foutez total? Est-ce que vous en avez marre des mises à jour? Est-ce que vous êtes à fond? Ouais, j'espère bien que vous êtes à fond, les gars. Si vous en foutez des mises à jour, c'est mauvais signe pour votre carrière de joueur de Brawl Stars. Il y a un Byron. Alors, Byron, corps à corps, c'est pas ouf, mais... Est-ce que vous voulez que je tente quand même? Il y a des caisses à droite, là. On va forcément tomber dessus, les gars. Il y a un moment donné... Et à un moment donné, les gars, alors il est parti où? Putain, c'est un truc de fou, là. Comment tu veux qu'il soit parti plus loin? Alors, le problème, c'est que si je tombe sur Byron, je pense que je peux le corps à corps, mais si je tombe sur un autre truc, je pense que je peux tirer la gueule. Hein. les gars, ça va être la game la plus nulle de... Ah, attends, on n'a pas fait de... Vous voulez qu'on tente de récupérer celle-là, quand même? Ok... Il y a des mecs qui tirent à gauche, là. Purée. Ah, attends, il y a un Carlito là. Oh là là, les gars. Ok, on a fait un top 7. C'est la pire game du monde. On avait le Carl sous popo. 9 caisses qui nous courent après. Donc la maîtrise, en gros, vous êtes en train de me dire que la maîtrise, ce sera celle de Léon. C'est ça, les gars? C'est Léon qui favorise pour l'instant. À voir. C'est pas le brawler qui m'excite le plus, Léon. Par le passé, ça a été dingue. Là, j'avoue que on a quand même fait un petit peu le tour de Léon, en tout cas. On s'arrêtera là, voilà, Brawl Talk dans 26h12, c'est même dans les infos du jeu, vous pouvez cliquer dessus les copains, et vous irez directement sur la vidéo en avant-première qui sera seulement disponible demain à 17h heure française, donc ne vous excitez pas trop les gars, c'est pas encore de suite disponible, et à quoi vous fait penser cette espèce de brawler en voie l'ombre noire là avec le point d'interrogation, à quoi ça vous fait penser? Il y a une étoile à droite, a priori, alors je sais pas. Je sais pas tellement, là, les gars, ceux qui ont la meilleure imagination, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Gros bisous à tous, à très bientôt. Ciao.